de vent en baisse ce matin sur la Canot. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence dans le vent avec un temps qui est variable à couvert avec des averses. Il fait doux. 11 degrés ce matin. Dans l'eau, 14 degrés. La marée commence à peine à monter. Le plein haut est à 13h45 avec des coefficients de 54. Sur ce début du montant, ben, le drapeau est tout tendu. Or, le vent, il est sud-sud-ouest. Il est side and shore. Il est soutenu à fort. Hein. Il y a du 5 à 6 beaufort. Ça secoue encore. On a un plan d'eau en vrac, la poutre moutonneuse et une houle longue de 13 secondes de période orientée un tout petit peu ouest-nord-ouest, un peu plus ouest. Multipique et en atténuation, il y a 2,30 en déferlement régulier, 2,50 à 2,80 sur les séries. C'est en vrac, c'est pourri, c'est tordu, c'est pas joli, c'est pas praticable sur les spots exposés. Vent de sud, conditions relativement favorables pour des spots de repli par vent de sud à marée haute. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être quasiment stationnaire à la mi-journée. Même si la boue arcachant est à la baisse à 4,20 m et 8 secondes, mais comme le vent va se renforcer, ça va entretenir la houle et on attend une poussée de houle en soirée. Donc voilà, le vent lui donc va se renforcer à 9h. 2,80 m, houle ouest-nord-ouest à ouest 13 secondes de période, vent sud-sud-ouest 5-6 à 13h. 2,80 m, houle ouest-nord-ouest à ouest 10 secondes de période, vent de sud-ouest 6-7 et à 17h. 2,50 m à 3 m. Ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de sud-ouest 6-7 Beaufort, spot exposé on oublie, spot de repli on peut tenter. Prochain point 8h20, à tout à l'heure, merci.